While ancient, the Dreadnought's control matrix and crew interface are compatible with ours. It has advanced weapon systems and a powerful phased cannon array. However, many of its systems are offline. Accessing the Dreadnought's memory banks, the ship seems to be the control mechanism for a progenitor artifact of some kind. We can use the Dreadnought to strike the Vager with overwhelming force. Captain Soban has given us the coordinates of a key enemy assembly point. The shipyard Nabal will rendezvous with us there. Prepare to exit hyperspace. There is a second Dreadnought. McCann has it. Ok, salut salut tout le monde, c'est Genesis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode sur sur tout simplement, je vais y arriver, Homeworld 2, la version remasterisée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est je viens de le faire, merci. J'avais compris ce qu'il fallait faire là. Je m'envoyais un troisième d'ailleurs. La sauvegarde. Le reste, je l'envoyais là quand j'aurais détruit ces vaisseaux-là pour récupérer les ressources. Ce que je vais faire, c'est lancer la construction immédiatement de nouveaux intercepteurs. Parce qu'ils vont m'être fort utiles, parce que là, ça fait deux fois que je recommence la mission, je vous avoue que ça me fout un peu les boules. Les bombardiers, c'est pareil, ils vont là. Pour l'instant, je les sortirai quand j'en aurai besoin. Voilà, tout le monde reste ok. Voilà. Ici, on récupère les ressources. Les destroyers retournent là. Pourquoi les frégates... Allez savoir pourquoi. Les frégates ici... Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'ils sont en agressif. Donc, je les veux pas en agressif. Voilà. Group 1. Ici, j'ai des sondes, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc, on va aller ici. Interceptor squadron complete. C'est quoi ça, pour vaisseau? C'est un torpilleur. Alors oui, je fais des intercepteurs. Parce que je pense que j'en ai fortement besoin. J'ai fortement galéré, je vous avoue. Ça fait déjà plusieurs fois que je recommence cette mission. Donc, ce qui fait que je connais un peu, ce qui fait que je réagis en conséquence. Je sais par exemple que mon chantier naval va apparaître derrière et qu'il va se faire détruire en 2-3 mouvements. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, il faut attendre tout simplement. Est-ce que c'est là que je construis des intercepteurs? Alors, il me les laisse à l'intérieur, bien sûr. Ça y est, j'ai des cibles. Le groupe 1, en attaque. Je vais le supporter. Ah non, parce qu'en fait il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Donc du coup ils vont m'être utiles à autre chose. Les frégates. Interceptor squadron. Les frégates de flak, elles sont où? Elles sont où mes frégates de flak? Putain. Interceptor squadron complete. Je veux savoir pourquoi. Ok, donc j'ai tout mon groupe 1. Là aussi, je vais avoir des problèmes au niveau du groupe 1. Donc, ce que je vais faire, c'est derrière la construction de. Je vais annuler quelques.
Voilà. Dès que je pourrai, j'en construirai de nouveau. Et ici, ce qu'on va faire, c'est lancer. Et on va lancer, on va commencer par lancer les intercepteurs que j'ai là. Lancer, hop. Les éclaireurs aussi, hein. Donc voilà, ça, ils servent à quelque chose au moins. Nouvelle cible. Cette fois, je vais les supporter de eux. Voilà. Intercepteurs en attaque aussi. Alors, eux, je les mets en agressif par contre. Allez, tout le monde en attaque. Là, clairement, l'objectif c'est de la défense. Donc, on va faire non, on va les mettre là. Eux. Ils seront utiles sûrement. Voilà, alors. Un. Une deuxième là. Une troisième ici. Voilà. Et le reste, je vais le laisser ici. Le groupe 3, d'ailleurs, je vais le mettre comme ça. Sauf elle. Le groupe 1. Alors, vous voyez, mes intercepteurs, ils font très bien leur travail. Ici présent, ils font très bien leur boulot. Ici, j'ai plus qu'un intercepteur, donc on va lancer l'unité. En construction, j'ai plus j'ai 14 intercepteurs, mais j'ai plus. Ah ouais, j'ai plus de place, ok. Ben, on va attaquer là. Vous allez là, et le groupe 1, c'est pareil, il va ici. Là, vous voyez, c'est que mes destroyers n'ont pas suivi mes ordres, donc j'en ai un qui n'est pas parti. Voilà. Et je pourrais même. Ah oui, regardez. Ce que je vais faire, c'est lancer mes bombardiers ici. Lancer tous mes bombardiers. Et non, vous allez justement là. Les intercepteurs vont aller ici. Et les bombardiers vont charger le. Groupe 1, j'ai besoin. Où est-ce que sont mes frégates de flak? Ouais, c'est bon, elles sont sur l'action. Voilà. On est bon. Bon, mes bombardiers, le tout, ce serait de détruire ça. Voilà. L'objectif là, c'est clairement ça. Voilà. Et après, je vais les faire attaquer ça. Allez, hop. YOLO. Les frégates de flak sont. Frégates d'assaut, je m'en fous. Frégates de flak. 3. Frégates de flak. Groupe 1. Ici. Alors, je vais remettre lui. Allez, c'est le jeu. En lancement automatique. Awaiting orders. Pursuing targets. Torpedo frigate under attack. Ok, alors le truc là, on va le détruire. Lui, on va le faire aller. On va le faire rentrer tout simplement. Je vais envoyer mes destroyers ici parce que je sais directement qu'ils vont. Alors non, toi tu détruis le truc dessous. Voilà, et toi tu vas là. Toi tu détruis ça. Voilà, on va y arriver. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Le groupe 3, c'est pareil. Je vais tout envoyer là, en prévention, à part les frégates de flak que je vais mettre là. Vous allez là. Le groupe 1 qui est complètement dispersé. Là, aussi là, un peu que là plutôt, parce que ça c'est des corvettes. Et vous voyez, lui, il est déjà en position, c'est parfait. Là où je veux qu'il soit, c'est parfait. Le groupe 2, donc. Coup, je vais le laisser là, le groupe 2. Et je vais tout miser sur la vitesse. Parce que je veux absolument qu'il soit là-bas. Si vous voyez ce que je veux dire. Le groupe 1, là. Les intercepteurs, là. Et les frégates de flak ici. Alors j'ai perdu une frégate de flak, on dirait.
Ah non, c'est pas chaîne 4. Ma frégate de bouclier, bien sûr, elle est attaquée parce qu'elle est faible. Allez, les destroyer. Non, mais pourquoi il va là-bas, lui? Tu recules, toi. Ça, c'est une manie. Pourtant, ils sont pas en agressif. Hein. Ok, c'est bon. Groupe 1. Bon, heureusement que j'ai eux ici. Bah voilà, regardez, j'ai perdu des... Non, pas des canonnières. Je vais lancer des... je vais annuler ça. Je vais lancer des barges. Je sais pas combien j'en ai perdu. 3. Je vais lancer 3 barges et des canonnières pulsars à mort. Comme ça, ça en fera en masse sans arrêt que j'en pendant que j'en perdrai. Ah, regardez, elle a destroyé l'ennemi. Défoncez-le. Ok. Ok, ok, donc là je suis plutôt bon. Le groupe 3, du coup, maintenant je sais, je vais l'avancer là. Sauf que... Que je vais laisser là justement. Parce que eux, j'en ai vraiment besoin pour défendre la zone. Je sais pas pourquoi ils veulent pas y aller. Non, les intercepteurs, c'est là. Là, j'ai pas besoin de toi là. Pour mourir, tu vas pas faire autre chose. Voilà, regardez, je suis pile en position, c'est parfait. Fleet, this is Captain Elohim. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez... Stop! Non, lui, il va là. Voilà. Parti, regardez, voilà. Alors, ce qui va se passer, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il va envoyer tout plein de frégates missiles que vous voyez ici, directement sur ça. Et moi, ce que je vais empêcher, c'est absolument ça. C'est qu'ils détruisent mon... C'est pareil, le groupe 3. Si toi tu veux bien te dépêcher, ça me dérangerait pas. Alors je sais pas s'il y a un bouton pour les faire réparer automatiquement. Non. Groupe 1, ainsi que tous mes bombardiers et tous mes intercepteurs. Go! Ah, voyez là, j'ai évité qu'il soit détruit. Et là, c'est ce que je voulais. Ce que je vais faire maintenant, c'est envoyer des destroyers supplémentaires là-bas. Voilà, et les destroyers supplémentaires, je les vole là. Là, j'ai dit. Voilà. Après, ce que je peux faire, c'est lancer des réparateurs dessus. Parce qu'ils ont pris la misère. Surtout celui-là. Voilà. Non. Tu répares lui. Même s'il n'y a pas beaucoup à réparer, j'en mets un dessus. Sur chaque. Et il va me falloir vite une canonnière ici. Quoique je peux dévier un destroyer. Là. Voilà. Et lui, il faut attendre qu'en fait il est juste méga lent à arriver. Le groupe 1, l'op, le groupe 3 rentre ici. Le groupe 4, il est triffé. Pourquoi le groupe 4 a avancé, c'est pas grave. Et mes canonnières pulsars ici, et ça attaque, j'ai envie de dire. Qui c'est qui a émergé en hyperespace? Non. Pour vous les rentrer, je vais les mettre là. Voilà, ici je mets destroyer qui défendent, donc c'est parfait. Ouais, voilà, j'ai eux ici. Je vais peut-être envoyer quelques vaisseaux supplémentaires en défense. Voilà, ici eux ils sont arrivés, donc c'est parfait parce que j'ai encore d'autres troupes ennemies qui arrivent. Mes transporteurs là. Donc voilà, pour l'instant on est plutôt bon. Je t'avoue que là, vous voyez le fait que j'anticipe avec mes destroyers et de les envoyer ici, ça m'a sauvé la vie, sinon j'aurais recommencé la mission, parce que j'aurais perdu le chantier naval d'ailleurs, que je vais réparer le chantier naval. Roger,
Est-ce que je peux le réparer? Oui. Allez, on va le réparer. Group 5 reports enemy contact. Ces extérieurs-là, ils sont pas morts, eux. Putain, ils sont résistants. Du coup, il me reste un destroyer endommagé. Break it under attack. Supporting friendly unit. Tout ça. Group 1 reports enemy contact. Standing by. Group 5 under attack. Hop, on va réparer. Group 3 reports enemy contact. Standing by. Hop. Voilà. Je lance en réparation. Tout mon groupe 1 va se mettre là, comme ça je vais pouvoir intercepter rapidement ces escadrons aussi. Les barres, je vais me mettre sur ça. Parce que là, c'est des bombardiers en fait. Et des appareils. Ah, je vais regrouper ici. Là, je suis sûr qu'ils passent pas. Les frégates d'assaut, je vais les regrouper là. Non. Là, j'ai mis plutôt là. Voilà. Et les sondes que j'avais, c'était les sondes. De l'épisode précédent qui vont me servir strictement à rien. Donc, dans cet épisode, les sondes, à part si j'en ai besoin, ne serviront pas. Voilà. Les 4 destroyers, les 4 sont un peu là. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ah, c'est des ressources! Ah, vous savez quoi? Lui, il est réparé, donc tu vas prendre les ressources ici. Et toi, bah, il est presque réparé, donc c'est, pas la... c'est la même chose. Group 2, hop, comme ça je prends quelques ressources. De toute façon je vais les avoir, non je les aurai en automatique à la fin de la mission, ça va. Et lui il faut attendre qu'il se mette en position. Donc ça c'est assez lent, c'est une partie assez lente. On va y arriver. Et je voudrais même anticiper, non je préfère pas trop anticiper non plus, donc je préfère les laisser grouper. Après, ce que je peux faire, c'est essayer de tous les réparer et ne compter que sur le groupe 3 pour défendre ici et éventuellement sur eux pour réparer les vaisseaux endommagés, parce que là, c'est vrai que les frégates de flak ont pris assez cher. Là, j'ai quelques intercepteurs ici qui sont en bon état. Et eux, je vais mettre les points ici. Comme ça ils vont revenir ici direct. Ah, ça y est. Oh, je vais avoir d'autres ennemis bien sûr, ça peut pas être que ça. The shipyard reports that preliminary analysis and repairs of the dreadnought systems will ça, je pense que je devais m'en douter. 15 minutes. Et enfin que je survive pendant 15 minutes, c'est ça? Putain, ça va être long. Ça va être long, je vous le dis. Ah, je vous le dis, ça va être très long. Là, je vais mettre là. Ce que je peux faire, à la limite, c'est, vous voyez, construire ici. Non. Je voudrais le vaisseau. D'ailleurs, eux, ils vont aller là. Voilà. Alors, je peux pas faire de nouvelles ici non plus. Ici, je dois pouvoir en faire. Ouais, il faut lui. Non plus. Je suis au max, je peux pas faire de plus d'unités. Bah si, des transporteurs, mais là je vois pas. Ah, quoique je peux faire des plateformes canons. Donc on va pas se gêner. Et ça me permettra de détruire plus facilement les... C'est quoi ça? Un destroyer. Oui, je vais avoir besoin de soutien. Je vais prendre un destroyer d'ici et je vais l'envoyer là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est des plateformes. Je sais si j'arrive à les trouver. Ah, canon ionique aussi. Je vais les placer là. Est-ce qu'il me reste des bombardiers d'ailleurs? Non, il me reste pas de bombardiers. Je pense pas. Non, j'ai plus de bombardiers. Ah, ils ont dû mourir. Hein. C'est quelque chose de très fréquent, on va dire. Ah, voilà. Eux, on va les mettre là. Les plateformes canon ioniques ici. Ok, bon. On va voir si j'ai pas des vaisseaux endommagés. Et j'en profite pour réparer. Est-ce que j'en ai un deuxième? Ah si, j'ai encore des bombardiers là, regardez. D'ailleurs, ceux-là qui sont endommagés, donc on va les réparer. On va se regrouper.
si possible. Voilà. Comme ça, je reste protégé. Ah, vous allez là. Comme ça, je me protège à la fois contre les vaisseaux lourds qu'on peut voir ici, donc les dégâts d'attaque, et à la fois contre les vaisseaux légers. D'ailleurs, je suis en profité pour envoyer E3 ici. Non. Ah, comme ça ici. Et 15 minutes, je vous préviens que ça va être assez long. Ouais, ça va être long à défendre ça. Ah. Vega carriers exiting hyperspace. Oh putain. Sérieusement. Pursuing targets. Eh bien écoutez, on va envoyer deux destroyers supplémentaires qui sont ici. Roger. Standing by. Je vais les envoyer là. Green line confirmed. Group 10 reports enemy contact. Roger. Et je vais faire un. Ah non, quoique, c'est un transporteur. Acknowledge. Donc je peux me les faire avec un seul destroyer et une escorte. Ready. Parce que là il y a une escorte. Il y a une escorte assez conséquente. Standing by. Attendez, parce que je les ai désélectionnés. Ah non, parce que, attendez, je vais avoir des troupes ennemies. Donc du coup, il va falloir que je garde une escorte ici. Ah, ça va être n'importe quoi. Il envoie du monde. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'ils sont pas configurés en agressif, mais qu'ils avancent quand même. Groupe 3, s'il vous plaît. Et je pourrais carrément avancer. Oh putain, il y a du monde là. Ouais, je m'en doutais. Ouais, je vais faire les destroyers, les transporteurs avec les destroyers. Je suppose que c'est un objectif secondaire, même pas. C'est de l'ordre de l'objectif principal de défendre. Tu veux venir les détruire, toi? Non, lui là-bas, voilà. Ah oui, parce que là c'est un peu la bêche, je t'avoue. Ça va faire dégâts d'attaque. Est-ce que là, tant que j'aurai pas détruit tout ça, est-ce qu'il me reste des barges? Où sont mes frégates de flak? Qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce que je peux construire de nouveaux vaisseaux? Oui. Elles sont en construction, c'est parfait. Et je peux pas faire de nouvelles frégates. Si je peux sélectionner que les deux destroyers ici présents. Que les deux destroyers, voilà. Ça, histoire de détruire ça. Vous, j'ai besoin de vous là. Quoique les barges, on va les laisser attaquer là. Ils font des dégâts. Du coup, j'ai envoyé que un seul destroyer. Alors, j'ai fait quoi là hein, comme dégâts? J'ai fait des dégâts au moins ou pas? Ah, ok, j'attaque ça d'abord. Il va avoir besoin d'un soutien. Alors, ce qu'on va faire, c'est envoyer un deuxième destroyer de ce côté là. Et envoyer un autre destroyer de ce côté-là, parce que là il fuit. Alors là j'ai fait des dégâts par contre. Du coup 9 minutes. Ah ouais, là c'est de la gestion pure et dure. Hop. Non! Ça m'a quand même sélectionné celui-là, je le veux pas. Et il y a un problème, alors ce jeu c'est vraiment. Le problème c'est vraiment la sélection. Il n'y a aucune unité de construction en cours, donc là ce que je vais faire c'est ça et ça. Comme ça les. Ouais. Ah, c'est bon, on l'a détruit là-bas. Alors ce que je vais faire c'est me regrouper là. Voilà. Là c'est vraiment dans l'ordre. Non, pas toi. Alors toi tu restes là-bas, tu tires. Alors enfin, je crois que j'ai détruit. Oui, regardez, on voit les débris ici. Group 1 under attack. Bon, ici ça se défend, c'est bon. Par contre là je prends assez cher parce que... Oh putain, il a un autre destroyer. J'ai le destroyer là.
Ouais, je vais mettre sur le destroyer en premier. Ici, ouais, alors là c'est pareil. Pourquoi tu galères à les tuer? Tu fais quoi, t'as pourquoi? Mais... Ah, il est. Ah, ok. Alors non. Tu vas attaquer eux en premier. Le problème, c'est que je veux pas désengager lui d'ici parce que si je le désengage de là, j'ai plus de troupes pour défendre. Enfin, plus de troupes lourdes, on va dire, entre guillemets. En sachant que là, mes bombardiers. Oh, j'ai des bombardiers! Allez hop! Du coup, ici. Lancer plutôt. Lancer là. Voilà. Lancer unité. Ils sont où? J'en veux un en réparation là-bas. Et le deuxième en réparation ici. Voilà, comme ça, je les envoie. En réparation. Et ça devrait. Collecteur de ressources. Il y a un collecteur de ressources. Ça se fait qu'il y a encore des frégates d'attaque là. C'est bon, il se met en position. C'est quoi ça? Un appareil d'attaque, c'est pas un problème. Si en fait, il est parti méga loin. Non, toi t'es censé venir en réparation en fait. Ok, donc là on est bon. Je vais quand même envoyer quelques troupes ici parce que là j'en ai beaucoup qui ne font pas grand chose. Voilà. Ça, je les envoie ici. Le groupe 4. Brigade d'assaut, je me demande ce qu'elles font en avant comme ça. Group 2 under attack. I got one. All right, stay with me now. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Allez, le destroyer, il rentre là. Ici. Je vais bientôt l'avoir. Toi, tu vas du coup tirer sur lui. Mission accomplished. Standing by. Enemy neutralized. Awaiting orders. Qui dit que le... Okay. Donc il reste 5 minutes 30. Et je pense qu'on va être bon. Le plus dur, c'est vraiment le début pour la défense du chantier naval qui se fait. Quoi? Non! Il y en a un autre là-bas, il y en a un autre là-bas! Eh ben. Voilà, j'ai envie de dire, il y a les directs avec ceux-là. Il est où le troisième destroyer que j'avais envoyé ici? J'en avais pas que deux quand même. Ah non, du coup il n'y en avait que deux, je suis bête. Les trois autres sont là en bas. Ils n'arrivent pas à détruire ce vaisseau là. Je vais concentrer mon tir là. Parce que du coup il m'envoie masse d'unités. Construction. Toujours des intercepteurs. Si je peux en rajouter. Si j'en rajoutais, je vais pas me gêner. Alors là, je vais avoir besoin de renforts parce que j'ai l'impression qu'ils attaquent que mon vaisseau mère. Donc, j'ai envoyé les bombardiers, les intercepteurs supplémentaires, les intercepteurs ici. Ok, donc là j'attaque, c'est parfait. Ouais. Voilà, et en bas au sud, c'est bon, c'est fait. Enfin, en bas au sud. Concept de sud. Oui, c'est bon, allez. On fait celui-là. Et on se dépêche. Corvette lance-missile, c'est quoi ça? Oh putain, des destroyers. Je vais lancer la construction de nouveaux plateformes canons ioniques. Est-ce que je peux faire des recherches? Non. Je vais vérifier. Transporteur, bien. Ici, j'ai quand même pris assez cher avec certains de mes destroyers. J'ai bien fait de laisser mon destroyer ici, vous voyez. Quoi que ce que je pourrais faire. Alors, attendez, 3. C'est envoyer mes flaques et groupes de flaques ici. Voilà, c'est ce que je vais faire, je pense. Eux, on va les laisser là et lui là-bas parce que là, j'en ai besoin vite.
Parce qu'il y a des destroyers qui arrivent et que... ouais, je vais pas pouvoir finir longtemps non plus. Détruisez les transports, les transporteurs, ben voilà. Il en reste plus que deux, il me reste 2 minutes 40, normalement ça devrait le faire. Le tout maintenant c'est juste de perdre le moins d'unités possible. Ah bon, je l'ai perdu. Resource collector lost. Supporting friendly units. Group 1 under attack. Strike group reports hostile okay, contact. Là. Strike group under enemy attack. Ouais, plutôt là. Roger. D'ailleurs, ça. Strike group reports hostile contact. Pulsar gunship squadron complete. Standing by. We've got enemy contact. Il en va encore des troupes. Strike group receiving fire. Roger. J'aime bien ce que je lui ai demandé d'aller là-bas, mais il n'y veut pas quand même. Under attack. Reporting. Est-ce que j'en avoir besoin? Ah c'est bon, j'ai... Allez hop, on concentre le feu sur les suivants. Et lui il est résistant, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Ah bah tiens, on va envoyer lui là aussi. Interceptor squadron complete. Standing by. Capital ship locked in. Copy. Pulsar gunship squadron complete. Donc vous pouvez attaquer, hein. Confirmed. Locked on target. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, alors les plateformes de canon ionique sont autour du vaisseau, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Le groupe 1, est-ce qu'il m'en reste? Oui. Il m'en reste un peu. Et... ouais, j'aimerais bien voir leur point de vie en fait. Quoi? Oui, mais oui, mais il me reste 50 secondes, je veux bien, mais c'est... j'ai un vaisseau mère qui arrive maintenant! Oh là là! Ah, ça y est, je commence à perdre des frégates maintenant. Construction de frégates. J'ai perdu quoi en frégate? Ah ouais, j'en ai perdu quelques-unes. Oh putain, ça y est, je perds des frégates. D'ailleurs, est-ce que ça va lancer les constructions ou est-ce que ça va juste attendre... putain, ça va dans le suivant. Ouais, je vais arrêter les intercepteurs, sauf le dernier. Et je vais lancer... deux chaque. Alors j'espère que c'est pas mes frégates de flak que j'ai perdu. Non, c'est pas les frégates de flak. Il m'en reste un à détruire. Il est mort, ça y est. Allez, vous allez là-bas. Ah, c'est bête. Aïe 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 aïe. Allez, à fond. Oh putain, alors ça c'est quand ça sauvegarde. Excusez-moi pour les petits freezes. Vous, je vous veux directement. Alors ouais, regardez, c'est un croiseur. Sur le croiseur, vite. Ah, je mets tous mes destroyers sur le croiseur, là je m'en fous totalement. C'est la puissance. Toi d'ailleurs, je vais mettre comme ça lui, pardon. Tout le groupe 3 en position d'attaque. Sauf eux qui vont rester là. Ah non, quoi que. Il peut se défendre tout seul. C'est pas sympa ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave. Je vais rajouter des frégates. Des frégates, toujours plus de frégates. Je vais plus avoir d'argent, mais c'est pas grave. Ah, les plateformes, je les mets en position. C'est bien qu'elles soient utiles quand même. Bon, il essaye de faire passer un destroyer. Ils sont où mes destroyers ici, là. Ici, sur le destroyer. J'en veux deux. Un seul plutôt. Sur ça. Ah, parce que du coup, il va. Combat maneuver confirmed. Engage capital ship. Marine frigate under attack. Supporting friendly unit. Ouais, tu vas là, toi. Ouais, bon, lui il est mort. C'est bien parce que j'ai tellement d'unités qu'en fait il a pas le temps de tirer dessus et de les endommager.
C'est, j'ai même pas eu besoin de mon cuirassé pour détruire son son vaisseau ici présent. Et que du coup, bah, je le lamine. Je crois que c'est bon là d'ailleurs. Protéger le cuirassé, donc là il faut sûrement détruire les cibles qui restent parce que j'ai détruit tout. Cabin pressure dropping. Frigate lost. Reporting. Mission accomplished. Standing by. Underway. Non. Il veut pas me. Ouais, ici. New heading set. Green line confirmed. Pulsar gunship squadron complete. Je vais mettre là eux. Torpedo frigate complete. Torpedo frigate. Oh, une frigate de missile. Strike group under enemy attack. Strike group, prepare for assault. Acknowledged. Copy. Moving in. Strike group reports hostile. Ok, bon. Et concrètement, là, c'est. J'attends quoi en fait? Oh, je peux le faire avancer lui. Oh, putain, je viens de me rendre compte que je pouvais le faire avancer à la fin de la mission. Bon. N'importe quoi. Oh, on va les lancer en réparation. Tout le groupe 1 en réparation. Les canonnières tout en réparation. Toutes les barges. Ce qui m'en reste du moins en réparation aussi. L'éclaireur en réparation. J'ai regroupé toutes mes unités là, côté de mon vaisseau mère. Voilà. Pouf! Eh bien, disons, ce fut difficile. Clairement. Mais là, clairement, je vois pas protéger le cuirassé. J'ai une attaque. Group 2 under attack. Oh, un portail de saut! Ah, mais il y a des portails de saut! Strike group to battle position. Tu sais, je viens de me rendre compte qu'il y avait des portails de saut en fait. Putain, je suis grave. Group 2 copies. Et j'ai envoyé le groupe 1 pour vérifier la zone là-bas. Vu qu'il est tout neuf, tout réparé. On en voit. Parce que là si j'ai trop. Allez, regardez, il y a notre portail de saut là-bas. Donc, il y en a 3, il y en a qui arrivent de là et là, donc il va y avoir sur les côtés aussi. Ok, rien que des canonnières là. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que eux. Ils. Ah merde, ils sont pas là, ils sont où? Ah, ils sont là. Toi, tu vas. Ah, je vais tout lancer, ça marche aussi. Parce que du coup, j'ai plein de ressources que je peux récupérer. Ready. Strike group coordinates locked in. Ready. Si vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait être intéressant d'avoir des ressources pour produire de nouvelles unités. Collection confirmed. Quoi que. Attendez, on va être là-bas. Resources downrange. Copy. Collection confirmed. Collection confirmed. Voilà. Il y a plein de ressources partout, donc là ça pourrait être intéressant de. Copy. Voilà. Là ça attaque, c'est parfait. Normalement là il y en a au fond et là il y en a, bah ils sont là, il y en a là et il y en a un au fond ici, donc bah là on va envoyer copy ça avec ça et une barge, ça devrait suffire. Après je fais pas ça pour la rapidité, mais je laisse quand même plus de troupes sur les sur le centre pour protéger surtout ma flotte, enfin mon. Ouais, mais alors lui là, vous voyez la vitesse qu'il a, 15 de vitesse, donc faut absolument pas être pressé pour le bouger hein. Bon, et bon, on va y arriver, j'espère. Là, c'est bientôt. Ah, là, il est bientôt mort. Donc, quand il sera mort, lui, j'enverrai eux en soutien derrière. Voilà. Eux, hop, ils vont mourir. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Il y en a pas d'autres? Taille de saut. Non, ça devrait être bon. Bon, il est mort. Il est mort. Allez. Suivant. Ici. Voilà, ça devrait être plus rapide.
là c'est pareil, je les envoie là, même si je pense qu'ils arriveront pas à temps, c'est pas grave. Ah mais regardez, il y a un destroyer ici. Ah mais oui, je comprends mieux tout d'un coup. Enemy unit emerging from hyperspace. Encore ? Ah, ça devient pénible là. Il y a encore des ennemis ? Ah, ils doivent être venus là. C'est pas possible. Bah non, ils viennent pas de là. Ok. Il n'y en a pas en haut ni en bas non plus. Ouais, c'est assez bizarre, je vous l'avoue. C'est qu'ils réagissent même pas, quoi. Ça, si ça y est, ils réagissent. Allez-y. Et le temps que mes destroyers arrivent là, je les mettrai en vitesse. Lui. Parce que lui il est confié en vitesse, on va le configurer en dégâts. Eux c'est pareil, non bon, non c'est bon, regardez il est mort. Vous allez revenir ici. Vous allez revenir ici. Vous. Non mais les ressources qui valent pas le coup ici, là, il y en a. Voilà. Alors je lui sur ça et vous sur ça. Et vous dépêchez parce que sinon mon destroyer ne va pas survivre très longtemps. Est-ce qu'on peut récupérer les ressources qu'il y a? Oh, il y a masse de ressources ici aussi. Ok. En fait, il y a beaucoup de choses. Ok, bon. Lui, je vais le faire dégager un peu. Voilà, comme ça il va suivre mes ordres en priorité. Et il va pas attaquer. Je le ferai revenir une fois que mes destroyers ici seront sur place. Parce que là, c'est vrai qu'il prend la misère. Et j'aimerais ne pas avoir à repayer un destroyer, c'est surtout ça. Donc j'aimerais bien qu'il évacue la zone le plus vite possible. Ils sont beaux ces navires. Moi je les aime. Je les trouve magnifiques. Enfin, je dis ces navires, mais c'est parce qu'ils me font passer à des vrais vaisseaux en fait. Oui. On va le mettre en défensif. Mais il va aller là-bas. Allez. Et j'en profitais d'ailleurs pour lui envoyer des réparations. Et je vais en profiter pour la mission suivante, justement, ce serait intéressant d'en avoir de nouveau des collecteurs d'or. Donc j'en fais quelques-uns. Là, je vais annuler tout parce que je suis au maximum. Là, c'est pareil, je suis au max, je crois. Voilà, ça ne sert à rien à reproduire. Et là, c'est pareil. Donc on va tout annuler, comme ça m'évitera d'avoir d'autres problèmes plus tard. Voilà! J'ai défoncé les forces ennemies, ça y est! Fou! Oh non, pas encore! Attention fleet, Makan has found Valcora Gate. The coordinates are 11344890. Priority alert, jamming signal detected. A Vager carrier is on an intercept course with Captain Soban. Ah, ils ont chopé le capitaine Soban. Ok. Ah, je suppose que la mission suivante, ça sera une mission de sauvetage. J'ai cru qu'il y avait encore à avoir du combat. M'en fait peur. The Vager have been defeated. Before being captured, Captain Soban activated an emergency tracking device. Using this signal, we will be able to locate his destination point. Oui, c'est surtout un piège, ils savent déjà que voilà. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
à commenter et partager. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.